Nous allons découvrir quelques peintures de montagne de Lui Ticheng, dont deux sont conservées au Musée des Beaux-Arts de Taipei. L'une concerne une très haute montagne et l'autre une butte très accessible. La grande montagne de Nanhu, peinte en 1964, représente une haute montagne d'accès difficile. Bien que la dimension du tableau soit relativement petite, la montagne a l'air grandiose et imposant. L'atmosphère changeante de la montagne a aussi été bien exprimée. Les sommets s'enchaînent horizontalement et le point de vue est parallèle au sol, très légèrement en contre-plongée et pas du tout en plongée. Il y a environ 5 sommets qui sont répartis de façon assez claire. Tout en haut des sommets figurent les traces de neige. Le blanc est employé pour exprimer les nuages dans le ciel, la neige dans la montagne, mais aussi le brouillard dans la vallée. Par ailleurs, en premier plan, il y a aussi plusieurs parties en blanc. On ignore s'il s'agit de traces de neige ou de la surface des rochers. En tout cas, les couleurs sont très nuancées. Les coups de pinceau et de couteau, qui s'associent de manière assez régulière, produisent des touches magnifiques. Le blanc et le bleu se marient de manière parfaite et provoquent ainsi une sensation de pierre précieuse. Cette œuvre est tout à fait différente d'une autre de l'artiste consacrée elle aussi à la montagne de Nanhu et conservée au Musée national des Beaux-Arts, qui représente les sommets sous un aspect plus rond. Cela démontre la capacité de l'artiste de peindre un même sujet de manière totalement différente. Lui Ticheng a donc un don pour interpréter un paysage de diverses façons. Voici maintenant une œuvre intitulée « Océan observé entre les buttes ». Il s'agit d'un lieu assez fréquenté. Le peintre se situe probablement à Tingguashi et regarde dans la direction de la mer à l'est. La butte à droite serait le mont Teyer, alors que celle à gauche serait le mont oriental de la montagne de Keelung. La forme unique de la butte à droite rend le site très reconnaissable. L'artiste a peint la montagne de manière très concrète, que ce soit leur forme imposante ou leur topographie irrégulière, il est décrit telles qu'elles sont. C'est une interprétation fidèle et claire. Les couleurs, leur répartition et le contraste entre les parties claires et les ombres sont les éléments que le peintre maîtrise parfaitement. Cette maîtrise est certainement due à une longue observation de la montagne sous différents aspects. Quelles sont les particularités de ces buttes? Comment les mettre en valeur? Sinon, toutes les montagnes se ressemblent plus ou moins. On pourrait ne pas être en mesure de les distinguer. Le peintre nous indique un angle d'observation. En réalité, les nuages dans le ciel et leurs reflets à la surface de la mer rendent aussi le tableau vivant. C'est pourquoi cette œuvre de taille assez petite est cependant très touchante. Voici une autre œuvre de Lui Ticheng, datant de 1975, intitulée « Nuages accumulés, neige entassée ». En réalité, il a peint plusieurs tableaux de ce même paysage de la montagne de Jade. Celui-ci est assez particulier pour ce qui est de la composition. Les montagnes sont représentées en zigzag. Ces tableaux consacrés aux montagnes sont d'habitude horizontaux, tandis que celui-ci est vertical. Malgré cela, il a bien réussi à reproduire les formes des montagnes et des vallées
avec leur grandeur, leur ambiance et leurs caractéristiques. C'est une excellente peinture.